Bonjour à tous et bienvenue dans notre nouvel épisode de À la découverte de nos régions. Aujourd'hui, nous allons partir découvrir ensemble un nouveau lieu extraordinaire. Ce lieu est une grotte, cachée depuis des années au milieu des bois. Pour la visiter en toute sécurité, nous avons fait appel à un spéléologue de très haute renommée. Il s'appelle Pierre Laroche. Nous allons vous montrer un petit extrait de sa vie très mouvementée. Pierre Laroche est un vrai aventurier dans l'âme. Ce spéléologue connu et reconnu en France excelle dans son domaine et il adore prendre de nombreux risques. Il s'amuse parfois à faire un petit peu d'alpinisme. Il est notamment monté sur le toit de Notre-Dame de Paris juste avant que celle-ci ne brûle. Pierre a aussi grimpé le Mont Blanc lors d'un rude été. Nous pouvons le voir à présent sur la muraille de Chine en train de prendre la pause. Bonjour Pierre Laroche. Bonjour monsieur, enchanté. Vous travaillez dans la spéléologie. Est-ce que ce métier comporte-t-il de nombreux risques ? Oui, c'est exact. Ce métier comporte énormément de risques. Que ce soit des éboulements, des glissements de terrain. Il se trouve même que dans certaines cavernes, il y ait des ours. Cela D'accord. est très très dangereux. Oui, en effet. Et nous savons que vous pratiquez un peu l'alpinisme. C'est exact. Vous n'avez donc pas le vertige ? Non, j'appartiens à une catégorie d'êtres humains qui ne possède pas le vertige. D'accord. C'est de naissance. Et parlez-nous maintenant un petit peu de l'histoire de la grotte que nous allons visiter ensemble. Cette grotte possède une histoire des plus fascinantes. Il y a 45 000 ans, elle fut occupée par des peuplades d'hommes préhistoriques. Durant des millénaires, nous n'avons plus aucune nouvelle de cette grotte et, durant la Seconde Guerre mondiale, elle fut occupée par un résistant français. Mais depuis, nous ignorons ce qu'il est advenu de lui. D'accord. Mes chers téléspectateurs, nous allons maintenant nous habiller pour visiter cette grotte en toute sécurité. Donc maintenant, nous allons visiter la grotte. Vous venez, Pierre ? Oui. Allez, allez-y Pierre, montrez-nous le chemin. Allez, suivez-moi. Je vous suis. Je suis un expert. Allez. C'est impressionnant, dites-moi. Ah oui, c'est sûr. Mais vous êtes sûr que c'est très solide ? Oh bah écoutez, oui hein. Oh. Oui, c'est très solide, vous pouvez le constater. Ouais. Moyen hein. Si, pas très fiable. Hein. Vache. Oh mais c'est vachement profond, dis donc. C'est vrai, mais après, vous savez, je suis le premier Français à être descendu le plus bas sous terre. C'est vrai ça ? 678 mètres de profondeur. Oh, c'est énorme. Ah je sais, mais en même temps, c'est moi. Oui, oui, je m'en doute. C'est pas mal, dis donc. On pourrait faire une petite maison là-dedans. Ah oui. Voilà. Bon, bah après vous pouvez y aller en premier. J'ai entendu un truc. Où ça ? Là ! Ah bah oui, il y a quelque chose là ! Merde ! Oh ! Nazi, vous êtes des nazis ? Vous êtes qui vous ? Moi je suis un résistant, t'as cru quoi toi ? On est en 42 ! Résistant ? Mais nous on est en 2020, couillon ! Qu'est-ce qu'il dit ? De quoi tu me racontes toi ? D'ailleurs, je t'ai entendu à moitié causer là ! C'est moi qui suis descendu plus bas, je suis descendu à plus de 1000 mètres ! Menteur, espèce de cornichon ! Tu m'as pris pour qui toi ? Oh, c'est vrai, tu vas prendre du café brûlant à la tête hein ! Waouh ! On se calme ! Oh, on tourne l'émission là ! C'est quoi ça d'ailleurs ? C'est une nouvelle arme encore, comme vous savez bien faire ! Mais non, c'est une caméra ! Ouais, t'es con ! Hein ? Mais toi, t'as un problème ? J'ai un problème avec mon café brûlant, moi ! Ouais, calmez-vous là ! Calme ! Y'a un problème ? On filme une émission, on est en 2020, alors calme, calme. Oh ! Non mais c'est quoi ça déjà, 2020 ? Calme-toi. Moi je suis en 1940 Il est mort Hitler. Tu savais pas ? Bah non. C'est fini tout ça, t'as loupé ton époque ou quoi ? Bah non, moi j'ai vécu là-dedans, on m'a dit de rester ici le plus longtemps possible. On J'étais dans une compagnie de chars, on a planté notre char là-bas en bas de la pente. On a fui, on s'est chacun mis dans nos blocos. Je comprends pas. On est en 2020, on fait une émission comme tout le monde. Ils sont tes camarades ? Bah ils sont tous morts, je les ai enterrés là-dedans dans la grotte. Bah quoi ? C'est pas possible. Bah si, je leur ai rendu leurs hommages militaires quoi. Ah bon bah ça va alors, pas grave. Ouais, quand même hein.